wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Dans ma chambre d'hôtel, donc qui est toute petite, mais qui est juste parfaite, hein. Avec une petite vue, ma foi, on va dire que c'est une vue. Je suis complètement KO, j'ai pris le train hyper tôt ce matin, donc je me suis levée, il était 5h30 du matin, et une fois arrivée à Londres, j'ai pas arrêté de faire du shopping dans tous les sens et de me balader, donc je me pose tout juste, et il est 17h30, donc ce que je voulais vous faire, c'est un petit room tour déjà, pour que vous puissiez apprécier la chambre, qui est plutôt bon marché pour une chambre en plein milieu de Londres. Et je vais un peu aussi vous raconter ma vie. A tout de suite. Donc là, littéralement, je suis dans l'entrée. Donc bon, là, si on ouvre la porte et on arrive dans une toute petite chambre avec une salle de bain ici, la télé ici et un petit lit juste là. Bon, bah, j'ai tout de suite jeté mes affaires dans tous les sens. La salle de bain me paraît très bien, voilà, moi j'adore, c'est exactement mon style. Et je vais essayer de vous faire un petit truc, routine, beauté, ce genre de choses, un petit get ready with me. Dans tous les cas, j'aime beaucoup cet hôtel, j'y vais chaque année, parce que c'est, encore une fois, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en rapport qualité-prix, et en plus c'est lumineux. Je vais monter sur le lit pour que vous puissiez aussi voir la petite vue, voilà. La petite vue de ma chambre, je suis hyper contente. Donc aujourd'hui on est vendredi et je vais un peu vous raconter tout ce que j'ai fait. Donc je suis sortie de l'Eurostar, hein, je suis allée directement à l'hôtel déposer mes bagages. Ma chambre n'était pas encore disponible. Puis je suis immédiatement sortie de l'hôtel pour aller sur Oxford Street. Oxford Street, c'est bon, Oxford Street, c'est l'endroit où vraiment il y a toutes les boutiques, voilà. Donc si vous connaissez pas Londres et que vous voulez pas trop vous tromper parce que vous voulez faire du shopping et que vous avez pas beaucoup de temps, Oxford Street, c'est là où il y a Topshop, H&M, Zara, il y a Liberty, il y a Space NK, il y a voilà, tout à pied, c'est énorme. De toute façon c'est pas compliqué, vous pouvez passer une journée entière sur Oxford Street sans même avoir l'impression d'avoir tout fait, voilà, c'est juste gigantissime. Donc moi j'ai commencé tout d'abord par j'ai commencé par les grands magasins, Selfridge. J'adore Selfridge parce que c'est un peu comme le printemps si vous voulez. Et donc du coup vous avez un énorme étage avec plein de trucs de beauté, du maquillage. Vous avez bien entendu des marques françaises qu'on a comme Chanel, Lancôme, Dior. Le truc c'est que les collections sont pas forcément les mêmes, je m'en suis vraiment rendu compte. Et vous avez également des coins qu'ils appellent un peu le coin apothicairie, je sais pas comment ça s'écrit. Si je sais, mais je sais pas surtout comment ça se prononce, hein. Et dans ce coin apothicairie, vous allez y retrouver vraiment que des produits un peu confidentiels. Le bon style de produit, c'est-à-dire généralement des produits qui sont pas donnés, mais qui ont fait leur preuve ou qui ont une formulation assez innovante. Donc voilà, j'ai passé 3 heures chez Selfridge. Ce que j'aime aussi faire quand je suis à Londres, c'est Space NK. Alors là bizarrement aujourd'hui j'ai pas trouvé grand chose, mais je vais en faire un autre.
qui est pas trop loin de chez Harrods, qui est encore un autre grand magasin mais que j'ai pas eu le temps de faire. Et ce que j'adore en fait chez Space NK, c'est que c'est le luxe, c'est de la beauté avec que des marques que très sincèrement je ne connais quasiment pas. Donc c'est chez Space NK que j'ai connu la marque Hourglass, hein, qui est l'une des plus belles marques, hein, de maquillage que je connaisse. Cover FX, qui est une marque américaine mais du feu de dieu. Becca avant d'arriver en France chez Sephora en ligne. Chez Sephora en ligne parce que pas dans les magasins. J'ai découvert Becca chez Space NK. Donc là j'ai testé des trucs, je suis sortie du magasin parce que j'avais déjà fait pas mal de folies. Je me suis dit faut pas non plus que tu dépenses un rein. Ce que je vais faire demain matin. Et ce que j'aime en plus chez Space NK, c'est qu'il y a plein de marques comme ça qu'on n'a pas en France, qu'on peut commander sur Net-a-Porter, que sont Zellens, Dr. Dennis Gross, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Sunder Hailey, la marque que j'adore. Je vais m'arrêter là pour Space NK parce que je peux vous en parler des heures, c'est l'une de mes boutiques préférées. La bonne nouvelle, c'est qu'ils livrent en France, donc vous pouvez aller sur le site internet et commander, mais c'est assez difficile de commander du maquillage quand vous les avez pas swatchés. Donc moi généralement je les swatch ici, puis ensuite il m'arrive parfois de les commander en ligne. J'ai aussi visité une nouvelle boutique que j'avais jamais faite avant, qui s'appelle Liberty London, qui est en fait un tout petit grand magasin. Alors c'est pas le Printemps, c'est pas le Selfridge, c'est pas Harrods, c'est pas Harvey Nichols. C'est vraiment un tout petit magasin, mais quand même plus grand que la moyenne, et qui vend aussi pas mal de produits de beauté et de maquillage comme ça un peu luxe, hein. De très bonne qualité. Donc voilà, je me suis beaucoup parfumée, j'ai senti beaucoup de parfums chez eux puisqu'ils avaient un corner parfum d'exception assez intéressant. Donc je saurais pas vous dire ce que j'ai senti comme parfum parce que j'en ai absolument partout sur moi. C'est un de mes magasins préférés, que vous n'avez pas besoin d'aller à Londres pour commander. Encore une fois, vous pouvez les commander sur ASOS, hein. Mais je suis allée chez Pixi. C'est une marque, comment dire, naturelle, je dirais pas bio, mais qui essaye d'avoir en tout cas des composants les mieux possibles, des bonnes formulations, je sais pas comment on dit. Et j'adore les produits Pixi, notamment leur huile à la rose. Donc je suis allée en racheter, et puis j'ai décidé aussi de me faire plaisir avec des facial mist, hein, donc des espèces de brumes pour le visage. Vous avez des tonnes de brumes, vous avez une brume hydratante, une brume pour le glow, une brume pour le soleil, une brume pour des vitamines. Donc bon, moi j'ai pas tout pris, j'en ai déjà pas mal. Bon, de toute façon je vous ferai un haul Londres pour que vous puissiez voir le carnage, et de toute façon j'ai oublié de le faire en deux fois, un haul Londres luxe et un haul Londres drugstore. Parce que bien entendu sur Oxford Street, vous avez un drugstore très connu qui s'appelle Boots. And when you're alone, do you say my name? Or you say her name? Et Boots, le drugstore en fait à l'anglaise, c'est un endroit où vous allez, vous achetez vos médicaments, mais en même temps il n'y a que des produits de beauté et des produits d'hygiène. Mais genre il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits de beauté dans des marques que vous ne connaissez pas. Et même les marques françaises qu'on connaît développent des gammes particulières pour les américaines et pour les anglaises. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé des trucs Nivea, mais chamé, que genre j'ai pas vu. Alors moi j'ai pas de Auchan à côté de chez moi à Paris, ce qui fait que peut-être ça existe, mais en tout cas moi je les ai jamais vus, donc je les ai achetés ici. J'ai fait un carnage chez Boots, ils vendent des fossiles, et pareil ils vendent toutes ces marques de maquillage comme Je mets Maybelline, Rimmel, etc. Mais voilà, j'ai fait une radia au mois de janvier en drugstore, j'étais un peu déçue, donc je me suis dit je vais pas acheter n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un peu toutes les boutiques que j'ai faites. En tout cas, je vais au moins essayer de vous faire une vidéo sur mes routines au moins demain matin. Comme ça, vous pouvez profiter d'une salle de bain qui ressemble pas à ce que j'ai à la maison toute pourrie.
Et demain matin, en fait, je pense que je vais aller chez Harvey Nichols, qui est un autre grand magasin, qui vend la marque Stila. Et ça fait longtemps que je voulais acheter des trucs chez Stila. Et je pense aussi aller chez Topshop, parce que j'ai envie de m'acheter des vêtements. Donc j'ai envie de m'acheter des jeans, parce que les jeans Topshop, ils sont beaux, et je voudrais acheter de la lingerie. Voilà, assez parlé, et je vais vous présenter tout ça en images. Je vous embrasse. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. It was just like a movie. It was just like a song.